Allez, boum. Il y a de la vie partout. Attends, c'est quoi le délire? Attends, juste tu meurs et on regarde un truc. Ouais, foutre de ma gueule le jeu. Ah oui, c'est par là le chemin, je me souviens. Aïe. Un vieux mineur. Ouais, mais il y en a d'autres qui arrivent. Ouais, d'accord. Ok, c'est bon. Non, mais c'est bon. Pousse-toi, c'est bon. Non, mais c'est bon. Tu sais, le niveau de la mine, c'est comme le niveau des égouts dans tous les jeux. On s'en bat les couilles et j'en ai plus rien à foutre. Vas-y, pousse-toi, laisse-moi passer. Bah, saoulé, lui. Relou, quoi. Là, que j'avais que ça à foutre. Qui change de musique là. Putain, c'est relou. Parce qu'en plus c'est aussi l'oxygène. Oh mais. Freeman, quoi, putain. Ton endurance, c'est ton oxygène, c'est ta lampe torche, c'est toute ta puissance de merde, tu fais chier. On peut passer là-dessous là. Bon bah alors. Oh putain, on dirait pas que ça fait partie du jeu, ça si. C'est-à-dire que si t'allumes ta lumière sous l'eau, bah tu perds plus vite ton oxygène, quoi. Parce que ta lumière, c'est ton oxygène. La lumière, c'est la vie. What? Alors ça, c'est drôle, parce que ça monte et ça descend et ça coupe des zombies. Mais ça peut aussi te couper toi. Ah! Sauf si tu connais bien le jeu et que tu rushes, regarde. Hop, ça marche tout seul. Après, ça, c'est une technique de Valve. Ça, c'est pour empêcher aux joueurs de voir ce qu'il y a derrière. Non, c'est juste que comme il y a du chargement et que derrière, c'est pas chargé, c'est la bonne technique pour montrer que il y a le bout du tunnel, mais il n'y a pas la suite. Oh! Oh! Attends! Faut le mettre à jour, comment ça marche? C'était quoi ton... J'ai vu un succès, là. Quoi que tu m'as sorti, là? Frayez-vous un chemin à Ah, c'est bon. Ah, du coup, ouais, fallait... Ouais, waouh. Ah, fallait surtout pas servir du flingue à cette étape-là. Oh là 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 là. Alors que j'ai hésité, hein. Je me suis dit... non. J'ai bien fait. J'ai bien fait de garder mon pistolet anti-gravité. Mais du coup, je peux utiliser mes armes. Oh, casse-toi, va mourir. Tiens. C'est cadeau. Oh, c'est cadeau. Oh. J'en ai ramassé tellement et j'ai... Il y en a tellement que j'ai pas pu utiliser. Ah, oh, c'est cadeau. Ça fait plaisir d'utiliser une grenade sur ta gueule, quoi. Bon, du coup, on va passer à l'étape où... Il va y avoir des fourmilions et le buggy. Mais là, on va enfin taper des soldats. Ah. Bon, pas que ça. Mais on va taper des soldats, ça va faire du bien. Il y a le sniper là. Il est occupé avec les zombies. Voilà, maintenant avec moi. Bon, il faut des grenades et tout pour le sortir de là. Bon, je vois pas les couilles de sa vie. Par contre, celui-là va te laisser les couilles.
Il y a un truc là. C'est marrant, non? Juste là, 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 là. Hémorragie détectée. Voilà, il y a des grenades pour le tuer. Non mais attends. Je montre aux gens comment on te tue. Voilà, tu lances la grenade. Non, non, il fait « Oh merde !» et il meurt. Mais bon, si c'est moi, c'était ça dans mon souvenir. Oh merde! Et puis voilà, c'est une voie ferrée infestée de machins, avec des méchants. Après, il y a des super armes de hook shooter là, celle-là, là, cette arme qu'il avait là, là, celle-là, là, celle-là, là, cette arme-là, là. Putain! Tu vois, lui, il est là, oh, on n'est pas dans Counter-Strike 2 ici. Tu tires quelques balles, ça suffit, tu vois. T'es pas obligé de faire. Et tu mets des têtes. Non, juste tac, tac, tac. Pas besoin de t'exciter. Pas besoin de niquer toutes tes munitions. Et les balles de ça, c'est une espèce de truc là, truc de particules chelou. Là. On verra plus tard les boules là qui désintègrent des choses, bah, c'est ça. Non, plus petit. Les munitions sur les véhicules ennemis aussi, c'est les mêmes trucs. Ah ouais, je me souviens ici. Fais voir le... J'ai pas de magnum. T'es sérieux? J'abandonne. S'il y a pas de magnum, j'abandonne. Là, y a des mecs, là. Ah, je suis plein. Bah ouais, je suis plein de tout. Oh, t'es calmé, arrête de me tirer dessus. À fond et à gogo là, j'ai tout ce qu'il faut comme balle. Alors attends, ok, ouais, je me souviens de vous, bande de cons. Des amis de l'autre côté, je crois. Ah, je vais devoir choisir entre courir, lumière, c'est relou. J'ai des potes en face, donc. Winston est touché. Il y aura plein de vie, il y aura tout ce qu'il faut. Même niveau des munes, j'ai déjà récupéré. J'en avais plus beaucoup et j'en ai déjà récupéré. Vous avez réussi. Nous avons pu communiquer avec Alix. J'essaie de la recontacter. Suivez-moi. Ouais, ouais, attends, j'arrive. Je regarde. Vas-y, vas-y, je te suis. Mec. Mec, je suis là, mec. Suis-moi. C'est Léon, tout va bien. Allez, on y va. Avec moi. Allez, viens, c'est parti. Docteur, non mais 3 heures après quoi. J'ai parlé avec Alix. Ils ont capturé son père. Par ici, Docteur Freeman. Quel dommage. Par ici, Docteur Freeman. T'es blessé? Oh, ça a pas l'air trop grave, hein. Ouais, c'est bon, c'est pas trop grave.
Alix, c'est Léon. Gordon Freeman est avec moi. Gordon, sortir un bon homme, Dieu merci. J'ai besoin de vous. Ils ont enlevé mon père. Ils l'ont emmené à Nova Prospect. Les Vortigones ont suivi le bateau qui a emmené mon père et Bossman. Je vais sonner dans un train tant qu'il roule encore. Puis c'est votre tour, Gordon. Il faudra vous débrouiller, suivre la côte jusqu'à Nova Prospect. Avant, c'était une prison de haute sécurité, mais c'est devenu pire que ça. Je crois qu'il est plus facile de s'y faufiler que de s'en échapper. Vous voulez qu'il longe la côte? Il tiendra pas 5 minutes à pied. C'est la période de reproduction des fourmilions. C'est pour ça que je vous appelle, Léon. J'espérais que vous auriez encore la voiture de reconnaissance. Celle qu'a fabriquée mon père avec le calentour. Ouais, bonne idée. Une seconde. Non. Attends. J'ai pas fait un truc avec les putains de fourmis, là? Oh! La place du chapitre piège de sable. Sans toucher le sable. Il y a un moment... Sortez le buggy et amenez-le sur le dock. Il y a un moment, on est à pied. Gordon Freeman va s'en servir. Il faut pas toucher le sable. J'ai monté un bac à munitions à l'arrière. Impeccable. Ouais, ça, c'est cool, ça. C'est bon, Alix. Tout est prêt. Merci, Léon. Ah ouais, il y a un bac à munitions. Salut, Alix. Bon, bah les couilles. Alors, avant de vous lancer, prenez des trousses de secours et des munitions et vérifiez la carte pour mieux vous repérer. Il y a un bac de munitions à l'arrière, si ça peut vous rassurer. La carte pour me repérer. Quittez pas la voiture et utilisez les klaxons. Vous vous en sortirez mieux face aux fourmilions. Je préviens la prochaine base de votre arrivée. C'est une vieille carte, mais le trajet vers Nova Prospect est assez lisible. Ah ouais? Par contre, pour la route, on a perdu contact avec certains des avant-postes. C'est plus qu'un être ne peut supporter. Littoral à Enelo. Littoral à Nilitol Odessa. Odessa, vous m'entendez? On est où? On est là pour faire ça? Parce qu'elle est pas très claire, ta carte. Littoral à Nilitol Odessa. Odessa, vous m'entendez? Bon, elle va répéter 50 fois la même chose. Littoral à Enelo. Ouais, y'a un bac à munitions, t'as entendu? Y'a un bac à mun. Grimpez, je vous descends vers la plage. Regarde, y'a un bac à mun. Là, là, ici, regarde, j'ai plus de mun. Oh là là, mon dieu, hop là. Truc de fou, quoi. Ok. Bah, c'est parti, descends-moi jusqu'à la plage. Bien, c'est parti. Et en plus, y'a la tourelle, là, non? Ah oui, alors attends, il y a un petit souci de son. Hein. Parce que la voiture a fait un bruit d'enfer. Ah, la voiture. Bon, est-ce qu'on peut s'arrêter quelque part là? Parce que c'est compliqué ici. Il y a un turbo. Merde, il y a un turbo. Et le chemin, je sais plus où c'est. Et il y a un frein à main. Déjà. Et le turbo, dis-toi que dès que tu mets le turbo, c'est dans une ligne droite. Parce que c'est incontrôlable. Ensuite, le frein à main marche bien. Dès que tu touches le sable, il y a des fourmis. Et dès que tu n'es plus sur le sable, il n'y a plus de fourmis. Voilà. Et ça, c'est une voiture. 4 roues, un bordel en métal, et c'est parti. C'est parti, j'ai pas de carte, je sais pas où je vais. C'est cool, non? C'est Mario Kart. Les cartes sont solides hein, à côté de ça. Hein.
Et puis là, bah, il y a des trucs sur le chemin. Il y a des caches. Eh oui, c'en était une, je m'en doutais. Et regarde, comme on voit pas la suite parce que c'est pas chargé, là tu sais très bien qu'il y a un chargement. Hop là, oh mon dieu, l'image arrive d'un coup. Je crois que ça passait mieux avant, tu voyais un peu de blanc et puis ça s'estompait petit à petit. Là c'est vraiment d'un coup, tellement les images c'est ouf. Quoi. Oh putain, c'est bien carré hein. Alors, l'objectif, c'est au fond. Oh, vas-y, tout droit, hein. Aïe, ok. Je ferai plus du tout droit, là. Ah oui, ça les éloigne. Sauf que si tu te mets ici, ils vont sauter de l'autre côté en volant et ils vont venir te faire chier. Non? Des fois ils font ça. Tiens bah. Et avec ça je peux les retourner mais je peux pas les tuer. Voilà, donc j'ai ce qu'il faut. Alors ça c'est des fourmilions. C'est pas du tout les mêmes fourmilions qu'il y a dans Grand Dead. Hein. Attends, on va faire hop, hop. Parfait. Tiens dans ta gueule. Ah oui, là faut empiler des trucs pour monter. Je crois le bon jeu quoi. Sur une physique compliquée pour sauter dessus. Oh là là. Ah, mais c'était une cache. Oh putain. Oh, tu me diras, j'ai balles infinies. Va grimper, oui. C'est pas vite les balles là-dessus. Ouah, ouah, ouah. Il a sauté où le truc? Oh merde, y'en a un autre. Heureusement que c'est mal fait. Hein. On ferait comment sinon? Ah ouais, il est là le magnum. Ça casse-toi, c'est mieux. Ah, il recharge direct et tout, c'est bien. Oh putain. Mais le turbo, c'est la mort. Faut pas tourner, vraiment pas tourner quoi.
Oh, salut. Oh, salut. Merci la fourmi. Putain, ça s'enlève pas ça. Mais ils étaient pas de cette couleur les mecs avec le pompe avant. What the fuck, c'est quoi ce skin là? Salut Cédric. Ils avaient tous le même skin, c'était celui-là. Ils avaient pas les yeux rouges. Ça sert à quoi ça? Ah, c'est pour aller prendre ça. Et là, si t'allais dans l'eau, il y avait le gros poisson. Décide de nager dans l'eau parce que t'as envie de te baigner. Et une bouffe directe comme ça. On en parle. What? Elle a bugué. Ah bah je suis pas tout seul. Oh putain, salut les potes. Elle a accroché dans le sol. Réellement? Mais comment ça j'ai fait comment ça j'ai sauvegardé ici, tu te fous de ma gueule? Oh, parfait. Quel gros poisson? Bah gros poisson d'Half-Life. C'est bon, arrête avec ta morphine, j'en ai pas besoin, mal. C'est le poisson qu'il y a quand tu récupères l'arbalète dans le Half-Life. Hein. Waouh, des grenades. Youpi. Oh, salut. Il est où? Ah, il y a les petites bêtes. Mais il y a le gros poisson aussi. Là, il y a les petites bêtes. Oh, c'est dégueulasse. Mais des fois, ça dépend des endroits.
Les endroits, c'est le gros poisson directement. Je crois quand tu plonges des récifs. Et là, c'est des petites merdes là, qui te bouffent. Gordon Freeman. Non, c'est pas moi. Tu t'es trompé de personne. Gordon Freeman. Non, c'est pas vite, moi. Vite, filez au sous-sol. On attend des hélicos à tout moment. Le colonel Cobbles sera content de vous voir en vie. Ah ouais? Ça veut dire que je vais avoir lance-roquette. Tiens, je vais récupérer la vie, ça peut être utile. Parce qu'elle sert à rien ici, là. Bah, ça sert juste à nous faire éclater la gueule. Donc, non. Super. Ouais, oui, il y a des mecs qui vont arriver, mais bon. Les tonneaux, ils vont surtout me faire péter la gueule quand l'hélico il va se pointer. Je suis fou. Restez avec moi. Ouais, t'inquiète, je prépare le terrain, t'occupes. Par là. Exactement. T'as tout dit. C'est par là. Moi, j'ai un mauvais souvenir ici. Donc je sais très bien ce que je fais. Aussi là-bas. Par ici, docteur Freeman. Ça va faire boum. Je sais. On a accès au sous-sol par là. C'est bien. Ouais, par ici. Exact, par ici. Là. T'as des trucs cool ici? Bah ouais, t'as des trucs cool. C'est dommage de les mettre en évidence, quoi. Il faudrait les cacher dans un coin. C'est-à-dire réunir toutes les munitions au même endroit. Non, parce que bon, c'est jamais, quoi. Ouais, t'imagines un peu si tu te fais attaquer et tout, faut que tu cours partout pour ramasser tes munitions, t'as cru que j'avais que ça à foutre. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais on va pas tarder à le découvrir. Les grenades, ouais, si tu veux. Intéressant ça. Il y a une porte d'entrée ici, non? C'est là la porte d'entrée, hein. Bon, t'imagines un peu, t'es dans ta cave, pépère, et puis tu te fais rush par l'arrière parce que le mec il a trouvé un chemin où passer. Pourtant t'es en train de parler tout seul en bas, gars. Je sais pas ce que tu racontes. J'aimerais bien mettre le canapé, non pas dans ma gueule, dans la fente. Bon, il est un peu large, mais ça peut y aller quand même. Non? Pas y aller. On va boucher devant. Putain, il veut pas les prendre ce con là. Voilà.
Ah, tu passes pas là. Il est mal mis. Oh, c'est nickel.